les filles, aujourd'hui nous allons utiliser notre Stamparatus pour faire le tamponnage de ce sapin en 3 étapes. C'est le sapin du set Broderie des Fêtes. La vidéo a déjà été faite par la présidente de Stampin' Up, Sarah, sur sa page Facebook. Et donc, je vais juste vous montrer aujourd'hui les différentes étapes. Il vous faut votre feuille blanche, que l'on va maintenir avec les aimants. Alors attention, ils sont très très puissants. Je vous conseille de mettre une petite bande de masking tape pour pouvoir les manipuler. Et nous allons prendre la première image. Pour éviter d'abîmer la plaque, moi je mets mon bloc acrylique par-dessous. Et nous allons commencer par la première couleur. Pour positionner l'image parfaitement, nous avons réalisé le tamponnage sur une feuille de calque. Grâce à cette feuille de calque, nous allons positionner exactement comme il faut notre motif. Alors, pour être bien aligné, il faut prendre les 3 petits points en bas et les 2 qui se trouvent ici. Ça n'a pas l'air d'être trop mal. Nous allons bloquer notre feuille de calque pour pouvoir en fait venir positionner le tampon. Chose que j'ai déjà faite. Donc vous venez mettre le tampon par-dessus votre calque et une fois qu'il est positionné, on enlève le calque, tout simplement. Et nous venons tamponner la deuxième couleur. Pour la dernière étape, c'est pareil, un autre calque. Là, c'est un petit peu plus facile puisqu'il y a moins de motifs. Donc en fait, voilà, il faut aligner pareil celui du bas. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Voilà, il faut qu'ici et ici, vous puissiez voir l'alignement. Bon, de toute façon, vous allez ajuster de vous-même. Et si ça vous convient, il ne nous reste plus qu'à tamponner la dernière étape. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter le texte. Donc, une fois que le tampon est positionné, on retire son calque, hein, bien entendu. Mais voilà, c'était juste le principe de la feuille de calque pour pouvoir positionner vos sets de tampons avec différentes étapes. Donc ça marche avec tous les autres tampons, comme celui bébé ourson ou d'autres sets de tampons avec lesquels vous pouvez faire plusieurs étapes.
J'espère que ma petite vidéo vous a plu. Je vous retrouve demain pour une autre carte un petit peu plus perfectionnée. Je vous dis à demain.